elle doit plus partir à Abidjan? Pourquoi elle doit plus aller à Abidjan? Parce que si c'est le problème qui était nous tous sorciers là, si c'est le problème qu'elle a dit dans le passé, que nous tous sorciers là, je me dis que ça c'est déjà passé. Ça c'est déjà passé. Donc actuellement là, c'est quoi qui fait qu'on l'arrête, enfin on va l'arrêter ou bien ils ont pris convocation pour l'attendre à Abidjan actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé encore réellement? Et mon demande, non, on a qu'à arrêter tout cela parce que nous sommes tous des Ivoiriens. On doit se sentir à l'aise dans notre propre pays. Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On n'a pas deux pays. On n'a pas deux pays. Même si on fait semblant d'aller en vacances ailleurs, mais on ne peut jamais se sentir bien comme dans notre propre pays. Donc, à un moment donné, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à laisser la dame partir en vacances tranquillement comme les autres. On n'a qu'à la laisser partir en vacances tranquillement comme les autres. Parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Moi, je dis, elle n'a rien fait. Je n'ai pas entendu quelque chose. Hey, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous venez de dire que... Non. Moi-même, je vais savoir parce qu'on dit que... Elle est bâtie à Abidjan. Là, aujourd'hui, elle est à Abidjan. Mais on dit, il y a une convocation qui l'attend à Abidjan. On dit, il y a une convocation qui l'attend à Abidjan. Donc, convocation là. Pourquoi il y a convocation qui l'attend à Abidjan? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est la même personne qui l'a mis en prison avant, là, qui a pris encore la convocation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi-même, là, je vais savoir aussi, comme toi. Partagez le direct. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Ah, je ne sais pas. Elle est partie à Abidjan. Oui, mais elle est là-bas. Elle est là-bas. Actuellement, elle est là-bas. Actuellement, elle est partie, elle est là-bas. Donc, on attend la suite. Elle est partie aujourd'hui. Merci pour le tapotage. Tapoter. Sécuriser le live. Elle est partie aujourd'hui. Grâce à Dieu, elle est bien arrivée. Voilà, merci pour le tapotage. Elle est bien arrivée. Donc, on attend la suite. On attend la suite au... On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est Dieu. Moi, je suis assise. C'est Dieu. On n'a qu'à la laisser. Parce que la femme là, elle n'a pas encore fini de faire son deuil. Elle n'a pas encore fini. Elle est partie pour aller voir les parents au pays. Depuis qu'elle a perdu son enfant, elle n'a pas encore vu ses parents. Elle n'a pas encore vu sa maman. Elle n'a pas encore vu ses tantes. Il y a des cérémonies qu'on doit faire traditionnellement chez elle. Donc, celle-là, elle va partir faire ces gens de tout cas pour se retrouver. Vous savez que perdre un enfant, c'est douloureux déjà. Donc, si elle va à Abidjan encore et puis on ne la laisse pas faire les cérémonies qu'il y a à faire, que c'est pour aller la faire coucher en prison, c'est méchant, hein? C'est méchant. Moi, je trouve ça méchant. Donc, arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. Laissez l'homme Guigui faire ses vacances. Laissez l'homme Guigui aller dans son pays tranquille. Parce qu'elle est ivoirienne comme nous, tout le monde. Elle est ivoirienne comme tout le monde. Voilà. Laissez-la. Elle n'a pas autre pays où elle va dire se cacher. Elle n'a pas pris asile pour dire qu'elle va aller se cacher dans un autre pays. Donc, elle va dans son pays là. Qu'elle puisse vivre tranquille, qu'elle puisse aller tranquillement, sans commentaire, sans quelque chose derrière ça. À chaque fois qu'elle en dit qu'elle vient à Abidjan, ça devient scandale. À chaque fois qu'elle doit venir à Abidjan, ça devient scandale. Oh, si tu t'en vas, il y a convocation qui t'attend. Oh, si tu t'en vas, il y a convocation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait puis convocation l'attend? Qu'est-ce qu'elle a fait puis convocation l'attend? Hein? C'est ce que je veux savoir. Vous, mes hirondelles connectées ici actuellement là. Hein? Vous êtes 50 personnes connectées. Il y a au moins une personne qui peut savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est le problème qui s'est passé dans le passé là. Nous tous on sait. Et puis on s'est dit que c'est fini ce problème. Elle a répondu à ce problème. Elle allait répondre. Donc on s'est dit que c'est fini. Maintenant aujourd'hui là, c'est quoi qui fait qu'on doit l'arrêter? Mes hirondelles, connectez-vous. Dites-moi qu'est-ce qui se passe et puis on doit l'arrêter. Connectez-vous. Tapotez le live. Sécurisez le live. Les fans de Love Guigui sont où? Qu'est-ce qui se passe encore actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour que Love Guigui parte en prison? Parce qu'avant de dire qu'on a pris convocation pour quelqu'un là, c'est qu'il y a eu un truc.
moi j'ai dit, mais Zirandais, peut-être que c'est moi, je ne suis pas au courant. Parce que je la suis, mais ce n'est pas tous les jours que je regarde ses lives. Ce n'est pas tous les jours que je regarde ses directs. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit dans ces temps-ci? Et puis, c'est devenu affaire encore jusqu'à la convocation qu'il attend dans son pays là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux que vous Zirandais, là, vous me suiviez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, je ne suis pas au courant là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là, les Hirondelles sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on dit notre influenceuse est comment on appelle? Est convoquée. Il y a la convocation qui l'attend. Parce qu'ils ont appris qu'elle vient à Abidjan. D'ici, elle vient, on va l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, 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 mes hirondelles. Ah bon? Récemment, là, maintenant, là? Ah, moi, je ne suis pas au courant, oh, sorry, sorry. Je n'ai pas vu un direct où elle est en délicité. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas dire quelque chose. C'est pour ça que je pose la question à mes hirondelles. Merci pour la réponse. Elle influence à quelque chose. Hein? Toi-même, tu la regardes quand elle fait ses directs. Cécile, toi-même, tu la regardes quand elle fait ses directs. Donc, ce n'est pas à moi qui est venu poser la question. Hein? Toi-même, quand elle fait ses directs, tu la regardes. Donc, pourquoi c'est à moi qui est venu poser la question? Elle influence à quelque chose. Hein? Peut-être que toi, tu ne vois pas. Sinon, elle influence en quelque chose. Hein? Le jour, elle va se mettre devant sa caméra. Il faut lui poser la question. Il faut dire que les gens disent que tu es influenceuse. Il faut lui poser la question. Ce n'est pas moi qui est venu poser. La manière qu'elle met direct et puis tu es derrière elle. Là. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis qu'elle est influenceuse. Voilà. Elle met ses trucs et puis tu es derrière elle. Là. C'est pour ça que je dis ça. Moi, j'ai dit. Voilà, quand elle a laissé, elle va partir dans son pays tranquille. J'ai dit. Elle a perdu son enfant. Ah bon? Ah, sorry, merci. J'aime les hirondelles comme ça. Au moins, toi, tu m'expliques quelque chose. Cécile, il ne faut pas rire. Faut même pas rire, même. Faut bien mettre. Voilà une qui m'explique. Voilà, sorry. Elle m'explique en long et en large. C'est ce que j'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu quelque chose. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Elle m'explique, je comprends.